contre une équipe de Monaco, voilà, on a perdu sur des erreurs. Maintenant, c'est des choses qu'il faut gommer. Et là, on a un match dimanche, il faut passer à autre chose rapidement et essayer de faire mieux que la semaine dernière. Déjà, essayer de gommer les erreurs individuelles pour pas donner des occasions aux adversaires pour pas comparer avec un handicap. Je suis assez grand, je sais ce que je dois faire. Donc, je me pose pas de questions, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. Et puis voilà, comme on dit, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Maintenant, là, je passe à autre chose immédiatement, j'essaie d'être positif pour les prochains matchs. Bah, déjà, là, Saint-Étienne, on connaît tous cette équipe-là, on sait que c'est des équipes qui font, en général, dans ces championnats, qui font des bonnes choses. On les sous-estime pas, ils ont des qualités. Voilà, maintenant à nous de répondre dimanche pour pouvoir rivaliser. Oui, il faudra pas être défaillant. Maintenant, c'est à nous de répondre présent. On est à domicile. À nous d'essayer de prendre le match en main pour essayer de déstabiliser cette équipe de Saint-Étienne. C'est triste, surtout quand on voit la Beaujoire sans les supporters. Ça, des fois, on a besoin d'eux. On a souvent besoin d'eux pour nous pousser, pour nous donner le second souffle. Ça te donne la force de te surpasser. Mais maintenant, vu que c'est les problèmes sanitaires, on est obligé de faire avec. Et puis, c'est comme ça partout. D'abord, on est focalisé que sur celui-là de Saint-Étienne dimanche, essayer de faire un bon résultat et puis on verra par la suite pour le reste.